Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, en direct jusqu'à 20h50 avec l'équipe du vendredi. Bonsoir à tous les cinq. Bonsoir. Marion, votre choix de l'actu du jour. C'est la fin d'un mystère. Criminel vieux de 35 ans, le grêlé a enfin été identifié. Mohamed, votre story du jour. Ce soir, je vous raconte l'histoire d'un homme torturé, laissé pour mort pour un code de carte bleue. Pierre, dans votre œil. Je vais vous raconter l'histoire de Daniel Gérard, celui qui chantait « Butterfly, my butterfly ». Voilà. Patrick est de retour avec un édito hyper informé. Greta Thunberg contre le charbon allemand. De quoi agacer peut-être ou réconcilier notre invité Denis Oliven avec Greta Thunberg qui l'éreinte dans son dernier ouvrage « Un étrange renoncement ». On y vient dans un instant. Mathieu, dans le 5 sur 5 ce soir. Vous avez déjà mangé un sandwich aux spaghettis ? Non. Non, ben c'est pour moins d'une heure. Ah ben non, nous, non merci, cher Mathieu. Nous, on compte sur Oksana Crétu, notre chef du jour, propriétaire du restaurant Cro-Magnon à Bordeaux. Cro-Magnon, parce qu'au début du restaurant, n'est-ce pas, Oksana, vous cuisiez tout sur des pierres chaudes à l'ancienne, quoi, comme au temps de la préhistoire. Mais ce soir, pas question d'être préhistorique dans votre mode de cuisson. Vous nous proposez des crevettes d'automne. Oui, avec des champignons de saison et un petit bouillon thaï. Merci beaucoup, Oksana. À tout à l'heure, c'est un dîner qu'on proposera à Bruno Solo. Mais d'abord, avant toute chose, l'édito de Patrick Cohen. Patrick, une image a attiré votre attention ces derniers jours, celle de Greta Thunberg en Allemagne, sur le site de l'une des plus grandes mines de charbon d'Europe. Oui, c'est une image qui pourrait réconcilier notre invité Denis Oliven avec la jeune activiste suédoise qui est l'une des cibles de son livre. C'est aussi une image qui symbolise le fiasco énergétique allemand. Nous sommes dans le nord-ouest de l'Allemagne, à une heure de Cologne, sur le site de Garzweiler. Et c'est une sorte de cauchemar environnemental, un paysage lunaire à perte de vue, sans la moindre trace de vivant, ni, on va le voir, voilà, ni brin d'herbe, ni oiseau. Cette mine à ciel ouvert se présente comme un gigantesque trou de 400 mètres de profondeur sur 48 km carrés, là où il y avait autrefois des forêts, des champs, des maisons, des fermes, des églises. Une vingtaine de villages ont déjà été rayés de la carte. Ici, nous allons le voir, une église du 19e siècle a été rasée il y a 3 ans à coup de bulldozer. Près de 50 000 habitants ont été évacués ces 15 dernières années, de gré ou de force, puisqu'une loi de 1937, une loi allemande toujours en vigueur, permet à l'extraction de charbon de primer sur la propriété privée. I go every day here to the bus. Every day to the bus stop. Every day from my house to the bus stop. And now, no bus, no bus stop. Nothing. How do you feel? Sad. It's like Mordor here. Des habitants pour la plupart relogés dans une ville bâtie de toutes pièces à une dizaine de kilomètres plus loin. Priorité au charbon. Pas n'importe quel charbon, du lignite, le plus sale et le plus polluant des charbons, extrait par d'énormes excavatrices. Vous les voyez que l'Allemagne brûle ensuite dans ses centrales pour produire près de 30% de son électricité. Le lignite représente 20% des émissions de gaz à effet de serre du pays et Garzweiler est l'endroit de toute l'Europe qui émet le plus de CO2 de toute l'Europe. Et c'est une mine qui va continuer de s'étendre. Oui, avec la fermeture programmée des dernières centrales nucléaires allemandes fin 2022, le pays va avoir besoin de charbon. La mine va donc engloutir 2 villages supplémentaires d'ici la fin de l'année, puis 5 autres d'ici 2028, d'où la mobilisation des habitants, des militants écolos et de Greta Thunberg, juste avant les élections, pour demander qu'on sorte du charbon au plus vite, alors que la coalition d'Angela Merkel a fixé cette sortie à 2038, c'est-à-dire dans 17 ans. Mais l'Allemagne est dans une impasse, faute de nucléaire, malgré les énormes investissements réalisés dans les renouvelables, les éoliennes notamment qui fournissent en moyenne 22% de l'électricité produite. Mais comme en Angleterre, on l'a dit il n'y a pas très longtemps, le vent a très peu soufflé ces derniers mois sur l'Europe du Nord. Et le pays, l'Allemagne, devrait connaître cette année la plus forte augmentation de ses émissions de carbone depuis 30 ans. Bonsoir Denis Oliven. Bonsoir. Essayiste, directeur général de Libération, vous publiez chez Albin Michel un étrange renoncement. Le renoncement que vous dénoncez dans votre livre, c'est celui de ceux qui prônent la décroissance, symbole de ce mouvement, Greta Thunberg. Vous écrivez, le monde merveilleux de Greta Thunberg est simplement un cauchemar.
mais elle lutte, elle se bat contre un autre cauchemar que vient de décrire Patrick Cohen. Est-ce que son combat-là, ce combat-là, n'est-il pas nécessaire? Est-ce que vous n'êtes pas réconcilié ce soir avec Greta Thunberg? Si, si, bien sûr, son combat est nécessaire, mais moi, je n'ai rien contre Greta Thunberg. Je suis même impressionné, je trouve légitime qu'une jeune fille... enfin, que les jeunes gens et les jeunes filles soient animés par un élan moral, nous aiguillonnent, est une exigence écologique. Simplement, je pense qu'elle pose de bonnes questions, mais qu'elle apporte de mauvaises réponses. Et autant je suis absolument persuadé qu'il faut sauver notre planète, autant je ne suis pas sûr qu'il faille, pour sauver notre planète, détruire notre société. Et donc, c'est le projet de Greta Thunberg, de détruire notre société. Prenez cet exemple, on voit bien, c'est un paradoxe qui illustre merveilleusement mon sujet. C'est-à-dire que pour réduire les émissions de CO2, il faut évidemment arrêter la production d'énergie fossile. Mais si, par exemple, vous interdisez l'utilisation du nucléaire, qui est décarboné, qui est propre, qui est pilotable, vous faites une erreur de jugement qui conduit finalement à ce que, soit, on le voit en Allemagne, soit on est obligé de maintenir le charbon, soit on a vu récemment que l'Allemagne remplaçait des centrales nucléaires qui sont propres par des centrales au gaz. Elles sont propres à court terme, moins à long terme. Non, et d'abord, on peut en discuter si vous voulez, mais des gens aussi sérieux que Jean-Marc Jancovici, qui est un ingénieur, qui est l'un des piliers du monde écologiste, le GIEC lui-même, disent qu'il faut augmenter la puissance nucléaire. Donc le seul sujet soulevé par les... Dans certains de ces scénarios, oui. Pour le GIEC. Et un mot sur Greta Thunberg, son combat n'est pas anti-nucléaire. Elle ne mentionne quasiment jamais dans ses discours. Une fois, elle a dit que ce n'était pas sa préférence, mais elle n'a pas orienté ses discours contre l'énergie nucléaire. Encore, je ne veux pas du tout. D'abord, mon sujet, ce n'est pas simplement la décroissance, c'est plus globalement le fait que nous nous sommes éloignés de la croissance. Mais, et puis, je n'ai rien contre Greta Thunberg. Non, mais vous dites qu'elle veut changer toute la société, notamment en supprimant ou en diminuant la société de consommation. Vous dites que c'est une révolution puritaine qu'elle veut mener, en quelque sorte. Oui, parce qu'il y a, face aux risques climatiques auxquels, je crois, personne de sérieux, que personne ne conteste, il y a deux solutions. Il y en a une dont on nous dit qu'elle a les charmes de la modernité, mais je la trouve complètement archaïque, parce que c'est la solution de Malthus du 19e siècle. Déjà à l'époque, Malthus disait on va pas pouvoir nourrir la population parce que la terre ne nous produira pas assez. Donc qu'est-ce qu'on fait? La chasteté. On arrête de faire des enfants. Heureusement, on n'a pas suivi son conseil. Dans les années 70, le Club de Rome... des universités américaines disaient « Attention, la croissance, si vous continuez, ça va être la sous-alimentation mondiale, ça va être la rupture des réserves énergétiques. » Rien ne s'est produit. Pourquoi ? Parce qu'on a innové, on a fait des inventions industrielles, technologiques, de transport, et finalement, on a relevé ces défis. Et aujourd'hui, devant le risque du climat, du risque du réchauffement climatique, il y a deux options. Il y a l'option malthusienne, arrêter tout. Ou bien frugalité à tous les étages. C'est ça, mais il faut qu'on mesure les effets de ça. Ça veut dire que pour réduire le niveau de CO2, on va effondrer le niveau de vie, ce qui est dramatique pour les pays occidentaux, et ce qui est une tragédie pour les pays pauvres, qui, eux, n'ont aujourd'hui pas accès aux routes, aux hôpitaux, aux médicaments, aux revenus minimums. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils ont ce projet-là, alors qu'il y a un autre projet qui possible. Peut... possible, qui est un projet d'innovation, qui est le chemin que l'humanité a poursuivi depuis deux siècles avec succès. Mais existe qu'un seul modèle de société, c'est celui de la consommation, non, Denis Oliven ? Non, mais ce qui me paraît évident, et d'ailleurs l'affaire du nucléaire le montre, c'est que pour une partie du mouvement écologique, derrière l'objectif officiel, qui est vrai sans doute de leur part, qui est de réduire les émissions de CO2, il y a un autre objectif qui est de changer de société. Il y a une utopie, et c'est dans ça que c'est une religion sans Dieu, parce qu'ils veulent qu'on expie les péchés d'une société de consommation qui compte. C'est leur droit le plus strict. C'est leur droit le plus strict. En se privant de tout. Mais je ne crois pas que ce scénario-là soit un scénario qui remporte l'adhésion démocratique. Voilà, Vous ne croyez pas aux chances, par exemple, d'un Yannick Jadot à l'élection présidentielle, même s'il est un écologiste modéré? C'est un autre sujet, mais je pense que si on impose, je pense plus exactement que si on impose au peuple européen une transition écologique brutale, tel qu'il l'imagine, qui a un côté sacrificiel, qui a un côté ordre du temple solaire,
on va précipiter les peuples européens dans les bras des extrémistes. Regardez simplement ce qui se passe aujourd'hui. On voit que l'électricité augmente, le prix du gaz et de l'électricité, et c'est déjà un frémissement. Imaginez ce qui va se passer, parce que dans les scénarios qui sont actuellement sur la table, l'électricité, elle ne va pas augmenter de 5 ou 6%. Elle va augmenter de 20 ou 30% pour les ménages et pour les industries européennes, alors même que l'Europe n'est pas le continent qui produit le plus de CO2. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut avoir une stratégie de réduction des émissions, de lutte contre le réchauffement climatique, qui, dans la tradition qui est la nôtre d'innovation et de progrès, permet de maintenir le niveau de vie, la redistribution, la lutte contre les inégalités, l'emploi, etc., etc. Et à l'inverse, moins de croissance et du chômage, des problèmes dans les banlieues, moins de pouvoir d'achat, les gilets jaunes, le ras-le-bol fiscal, c'est un engrenage infernal. Regardez le cas français. Depuis il y a 40 ans, nous étions la 5e pays du monde par sa richesse par habitant. Nous sommes aujourd'hui le 25e et nous allons continuer de dégringoler les marches. Nous sommes les aventuriers de la croissance perdue. Le résultat des courses, c'est que vous avez un jour une flambée dans les banlieues, le lendemain une crise des gilets jaunes, une manifestation des fonctionnaires, le ras-le-bol fiscal et même la crispation identitaire, le débat sur l'intégration. Parce que, en effet, moins de croissance, c'est moins d'emplois, moins de pouvoir d'achat, moins de ressources pour les services publics, plus d'impôts et moins de capacité à intégrer des populations immigrées. Et donc, je ne sais pas si la croissance règle tout, mais ce dont je suis sûr, et on le voit en France, c'est que l'absence de croissance détraque tout. La croissance, c'est surtout ne pas être fâché avec l'idée du travail. Et vous pensez qu'en France, on est fâché avec cette idée-là ? Et que les 35 heures étaient une erreur et qu'on a fait exactement l'inverse de tout ce qu'il fallait faire ? Oui, c'est-à-dire que mon camp, j'aime pas tellement cette expression parce qu'elle est un peu sectaire, mais disons le camp des progressistes s'est brouillé avec le progrès depuis une quarantaine. Et on a, la gauche a une influence décisive sur les esprits en France. Et à chaque fois, on a fait des choix qui étaient des erreurs, me semble-t-il, parce que c'était des choix malthusiens. Au moment où le chômage a commencé à augmenter, qu'est-ce qu'on a fait ? Au lieu de se dire on va augmenter l'activité, on a dit on va partager le travail. Résultat des courses, on est le pays du monde, le pays riche qui travaille le moins en termes d'heures de travail par habitant. Comment voulez-vous qu'on produise de la richesse en travaillant moins ? Sur l'éducation, pardonnez-moi parce que c'est l'autre choix qu'on a fait, devant l'affaiblissement de la mobilité sociale, qu'est-ce qu'on s'est dit ? On a massifié, on a moyenné le système éducatif. Au lieu de s'occuper des enfants les plus en difficulté, issus des milieux les plus défavorisés, ce que d'autres pays ont fait, résultat, on a le système éducatif qui est le moins performant, l'un des moins performants et le plus inégalitaire des pays riches. Et donc, attention, on est devant le problème climatique, ne commettons pas à nouveau ce type d'erreur. Quand je dis nous, c'est les progressistes. Donc De gauche. Oui, la gauche. Oui. La gauche devrait faire de la croissance son totem, elle en a fait son tabou. Non, c'est vrai qu'à vous lire, on se dit que vous critiquez la gauche, vous critiquez l'écologie. Est-ce que vous vous attendez à avoir un bon papier dans Libération, dont vous êtes directeur général ? Alors, Libération, moi, à Libération, je m'occupe des chiffres, pas des lettres. C'est une rédaction indépendante de moi. Je n'ai absolument aucun rapport avec son contenu, et d'ailleurs, elle s'en porte très bien. Et vice-versa. Je m'excuse auprès de ses lecteurs des idées farfelues que je développe. Et ils feront s'il y a un papier s'ils en ont envie. Mais ça vous agace quand vous lisez Libération le matin ? Vous dites encore des gauchistes qui n'ont rien compris, Hindenburg, et qui, elle, n'a pas renoncé. Vous croyez que je me décarcasserais, comme dit l'autre, pour essayer de redévelopper ce journal si je ne l'aimais pas, si je ne pensais pas que l'absence de ce journal dans le paysage serait grave. Maintenant, tous les jours, j'ai grand plaisir à lire, et parfois, je suis en désaccord. Mais je suis toujours moins en désaccord avec lui qu'il n'est en désaccord avec moi. La France toujours, l'économique et le social. La réforme de l'assurance chômage est entrée en vigueur depuis aujourd'hui. Les règles de calcul des indemnisations ont été revues à la baisse et certains chômeurs commencent à s'inquiéter sérieusement. Sur une allocation journalière, je passe de 84 euros à 39 euros. Et par mois, sur les mois moyens, je perds 800 euros par mois. Donc sur 31 jours, je percevais 1712 euros. Et du coup, maintenant, j'aurai une perte de 500 euros, donc je vais avoir 1200 euros. Si on nous écœure ou on nous dégoûte de travailler, moi, je vais baisser les bras. Alors qu'en fait, dans l'esprit de certains des décisionnaires, réduire le montant des prestations, c'est aussi inciter à chercher encore plus activement du travail. Vous y croyez ? On a le système d'indemnisation du chômage qui est le plus généreux du monde, à la fois en durée d'indemnisation, en taux de remplacement. Enfin, quelques critères que vous preniez, on a le système le plus généreux du monde, mais personne n'a pu démontrer
qu'il avait un impact négatif sur l'emploi ou sur le chômage. Donc on peut le supposer, mais on ne peut pas le prouver. Est-ce qu'il faut réformer ce système pour qu'il soit plus incitatif à travailler? Sans doute. Est-ce qu'il faut faire en sorte qu'on ait une forte stimulation à travailler? Oui, mais il faut se prémunir du risque de laisser des gens sur le carreau. Là, on appauvrit les chômeurs. Voilà, donc appauvrir les chômeurs, si ça n'a aucun impact sur la reprise, la reprise du travail, c'est pas une bonne idée. Et par ailleurs, aujourd'hui, faute de croissance, on est le 12e pays européen en matière d'innovation. C'est-à-dire qu'il y a devant nous tout un tas de petits pays, la Suisse, le Danemark. On est très très mal classé en matière de recherche et développement. On a sous-investi dans nos universités. Donc on ne créera pas d'emplois si on n'a pas la stimulation de l'investissement, de l'innovation. Et si on ne crée pas de croissance et qu'on ne crée pas d'emplois, on peut modifier tout ce qu'on veut dans le système d'indemnisation de chômage, ils ne vont pas trouver des emplois. Donc je pense qu'il faut réformer ce système, mais ça ne me paraît pas être la priorité. Cette réforme de l'assurance chômage menée à son terme en fin de quinquennat, quelques mois l'élection présidentielle, on se dit que c'est peut-être un signe qu'envoie le gouvernement à un électorat plutôt de droite. Ce qui est sûr, c'est que la campagne est lancée. Et le mot qu'on entend beaucoup, c'est immigration. Au point que cette semaine, un président qui n'est pas candidat a répondu à un polémiste qui ne s'est pas déclaré. Échange par médias interposés. Si on appelle son enfant Mohamed, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, je suis de civilisation musulmane et je veux persévérer, je veux que mon enfant continue la civilisation musulmane. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, ça s'appelle la colonisation. Notre identité ne s'est jamais bâtie sur le rétrécissement, ni à des prénoms, ni à des formes de crispation. La France a toujours écrit sa propre histoire mondiale. Elle s'est toujours pensée universellement parce qu'elle s'est toujours pensée par des institutions qui dépassaient le simple hexagone et par une langue qu'elle a toujours fait voyager. L'universalisme français dont il parle est directement venu en droite ligne de l'universalisme chrétien. Il n'est plus français quand il se met au service de l'universalisme islamique. Éric Zemmour qui est à 15% des sondages dans la dernière étude commandée par Le Parisien aujourd'hui en France. Ce débat centré autour de cette question, il est inévitable. Et est-ce qu'il va occulter tous les autres thèmes, notamment dans les questions économiques que vous soulevez? Je vais vous dire une banalité, il est un symptôme du mal français, parce que je trouve ça complètement dingue que l'essentiel de la campagne se fasse là-dessus. Regardez en Allemagne, ça m'a frappé, 15 ans d'Angela Merkel, autour d'un consensus entre les sociodémocrates et la croissance allemande sur ces 15 ans, la croissance de la richesse par tête a été 3 fois celle de la France. Le chômage a été divisé par 2. La dette publique est la moitié de la nôtre en proportion du PIB. Résultat des courses, de quoi a-t-on parlé pendant la campagne électorale? On n'a pas parlé d'identité. On n'a pas parlé non plus, pardon pour Greta, de rupture du modèle de société. On a parlé de climat quand même. On a parlé de climat. On a parlé de comment est-ce qu'on décarbone et comment est-ce qu'on fait de la redistribution. Voilà des vrais sujets. Comment est-ce qu'on soutient, on a de la croissance, comment on la redistribue et comment on fait pour que cette croissance soit verte? Voilà des vrais débats. Je ne dis pas, parce qu'il y a des pays, je vois que mon modèle à moi, la Scandinavie, le Danemark et la Suède, sont des pays dans lesquels la réussite économique est là, les inégalités sont faibles et pourtant la question de l'identité est posée. Donc je ne suis pas naïf au point de ne pas voir qu'il y a en Occident une nostalgie d'identité. Mais comme ces questions sont plus faciles à traiter lorsque, par exemple, l'ascenseur social fonctionne. Parce que si des enfants immigrés sont pris en charge dans un système éducatif dans lequel leur espérance scolaire existe, vous voyez bien que, et si les inégalités globalement, si l'emploi globalement va mieux, les gens qui les accueillent sont plus décontractés et eux-mêmes se sentent moins discriminés. Donc si on veut lutter efficacement contre le problème que pourrait poser éventuellement l'immigration, c'est pas en écoutant M. Zemmour, c'est en se disant comment on fait pour que la question de l'emploi, de la lutte contre les inégalités, de l'insertion, de l'espérance scolaire fonctionne. Faute de s'être posé ces questions efficacement au cours des 20 ou 30 dernières années, on a le débat qu'on a aujourd'hui, que je trouve pour ma part pitoyable. Encore faut-il ne pas se brouiller avec le progrès. C'est la morale de votre ouvrage « Un étrange renoncement » chez Albin Michel. Vous restez avec nous, on continue à évoquer l'actualité. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouafsi.
Salut Mohamed. Salut Babette, salut Mohamed. À toutes et à tous. C'est bonsoir, un jugement très attendu ce soir à la cour d'assises de Beauvais dont vous nous parlez. Le 19 avril 2017, Guillaume va boire quelques bières, comme tous les mardis avec ses amis. Ce soir-là, on fête la participation de Guillaume au Marathon de Paris. L'alcool aidant, la soirée devient complètement fou. Il le raconte à Audrey Payas. J'ai aucun souvenir de comment je suis rentré, donc la fin de cette soirée. Je me réveille 5 jours plus tard à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Mon père, ma mère et ma sœur, quand ils m'ont retrouvé en réanimation, bah, ils ne m'ont pas reconnu. J'aurais 2 flashs, une espèce de voiture avec 4 personnes à l'intérieur. Et également un souvenir d'être dans la nuit, dans le froid et au sol, dans une espèce de champ ou une forêt. Et on me demande mon code de carte bleue ou alors on me tue. Ce qui se passe ce soir-là, on le sait désormais. 4 personnes, dont un adolescent de 14 ans, ont emmené Guillaume dans un champ à 65 km de Paris, à Beaurent-sur-Oise. Pendant près d'une heure et demie, l'étudiant parisien est torturé. Des coups au niveau de la tête, des côtes, des parties génitales. Guillaume est mis à nu, les bourreaux lui brûlent les sourcils, écrasent des mégots sur son visage, tentent d'introduire une branche d'arbre dans l'anus et essayent de lui crever l'œil avec une clé. Avec le code de carte bleue, les agresseurs quittent les lieux et laissent pour mort Guillaume au milieu du champ. Il sera retrouvé par une promeneuse dans la matinée. Après 4 jours de coma, Guillaume se réveille à l'hôpital. J'ai des douleurs partout, des fractures de côte gauche, droite, antérieure, postérieure. À l'époque, j'apprends ce qu'est une rhabdomyolyse, c'est une atteinte musculaire sur tout le corps, avec derrière une insuffisance rénale aiguë, une oreille sectionnée presque en deux et des hématomes sur tout le corps. Je suis un hématome ambulant. Après avoir quitté l'hôpital, Guillaume va vivre chez ses parents. Il ne peut plus rien faire tout seul. Il va mettre 45 jours pour pouvoir remarcher. Au début, je voulais voir personne à part ma famille parce que j'avais presque pas honte de ce que j'étais, mais je ressemblais plus à celui que j'étais avant. Donc il m'a fallu un peu de temps pour accepter que mes amis reviennent. Et après, oui, donc c'est des étapes. C'est aller jusque à la salle de bain, se laver tout seul. Bah, c'est bête à dire, mais une première douche tout seul à 25 ans, ça fait plaisir. Monter les escaliers en trottinant entièrement, ça a pris du temps. Je suis allé chez ma sœur qui est dentiste, pour classer uniquement des dossiers par ordre alphabétique, ce qui était déjà très dur à l'époque pour moi, mais travailler ma concentration et mon mental. Les agresseurs de Guillaume sont arrêtés. Un juge les renvoie devant le tribunal correctionnel pour vol avec violence. Un nouveau drame pour la victime. L'avocat de Guillaume, Mathieu Chirez, obtient une requalification des faits. Les tortionnaires présumés sont actuellement jugés devant la cour d'assises de Beauvais pour enlèvement, séquestration, tentative d'extorsion accompagnée de torture et d'actes de barbarie. Cette semaine, Guillaume a voulu faire face à ses bourreaux au tribunal. Je leur montre que je suis debout, que physiquement, je vaux 1000 fois mieux qu'eux. Que eux sont derrière un box, on les menotte. J'ai essayé donc de croiser leur regard pendant ces premiers jours, ces 4 premiers jours. Bah, c'est impossible de croiser leur regard, ils évitent, tant mieux, ils ont honte. Et je suis fier qu'ils aient honte, parce que moi j'ai pas honte de les regarder. Le jugement des agresseurs de Guillaume est attendu dans les prochaines minutes, il risque la perpétuité. Denis Oliven, alors on peut parler aussi d'étrange renoncement, c'est la défiance des Français envers la justice et notamment envers l'application de cette justice-là. D'abord, je suis épaté par le cran de ce jeune homme. Sa résilience. Impressionnant. Je ne sais pas s'il y a une méfiance. Ce que je sais, c'est qu'on a l'une des justices les moins financées d'Europe. Les chiffres sont vraiment étourdissants, donc ils n'ont pas de moyens. Et sans vouloir paraître obsédé par mon sujet, comme Zemmour par l'immigration, je dirais que je vous rappelle que 1% de croissance en plus, 1%, hein, c'est 30 milliards d'euros. C'est par exemple 3 fois pardon, le budget de la police. C'est 3 fois le budget du CSA. Du RSA, pardon, pas du CSA. Du RSA. C'est 3 fois le montant des investissements dans la technologie. Donc si on veut avoir des moyens pour la justice, et je pense qu'une justice efficace suppose qu'ils ont les moyens, il suffit d'être entré une seule fois dans un tribunal pour comprendre que c'est la dèche, pardonnez-moi de l'expression. Si on veut des moyens pour la justice, il faut qu'on soit sur un sentier de progression qui n'est pas le nôtre aujourd'hui. Merci beaucoup, merci Mohamed. Babette. À tout à l'heure. Marion, c'est la fin d'un mystère criminel vieux de 35 ans. Oui, de ceux qui ont marqué l'histoire du fameux 36 quai des Orfèvres et qui était jusqu'à hier ce qu'on appelle un cold case. Une histoire non résolue, une série de 3 meurtres et 6 viols commis en région parisienne entre 1986 et 1994. Et à défaut d'un nom, un surnom, le grêlé, dû aux témoins qui ont aperçu un homme à la peau grêlée abîmée par les cicatrices et l'acné fuir les lieux du crime. Tout commence
Le 5 mai 1986, le corps de Céline Bloch, première victime âgée de 11 ans, est retrouvé. Elle a été violée, étranglée et poignardée. Ce jour-là, le demi-frère de la victime est persuadé d'avoir croisé le tueur. Il en dresse le portrait robot. L'histoire du grêlé débute. Cécile habitait au troisième étage du 116 avec ses parents. Lundi matin à 9h, l'écolière quitte l'appartement et prend l'ascenseur comme tous les jours. À 11 ans, elle a l'habitude d'aller seule au lycée. Ses parents travaillent plus tôt. Ses petits camarades de classe seront les premiers à s'inquiéter de son absence. En fin de matinée, la directrice appelle les parents de Cécile. Ils ne comprennent pas. À 14h, les deux gardiens de l'immeuble, alertés par les parents, décident d'inspecter eux-mêmes les caves du 116. Et c'est la tragique découverte. La petite fille gît au troisième sous-sol dans le parking, poignardée derrière une porte fermée. En 1996, 10 ans après le meurtre de Cécile, l'APJ tente une expertise judiciaire en prélevant de l'ADN sur des pièces à conviction. Mais l'ADN ne parlera qu'en 2001. Il recoupe celui d'une autre affaire de meurtre qui remonte, elle, au 29 avril 1987, où deux corps sont retrouvés sans vie, celui de Gilles Politi, 38 ans, et de la jeune fille au père qui vivait avec lui, Ingar Müller, âgée de 20 ans. Mais cet ADN correspond aussi à celui présent sur des preuves prélevées dans 3 affaires de viol non élucidées entre 86 et 94. De 1987 à hier, la piste principale ciblait comme profil un ancien gendarme. Des témoins ayant rapporté que le suspect avait exhibé des cartes de police, évoqué son passé de moniteur de colonie à la gendarmerie. Autre faisceau, la manière dont il attachait ses victimes avec des liens correspondant à des techniques propres aux militaires. Fin août, une liste de 750 gendarmes ayant exercé à l'époque et à proximité des lieux des crimes est établie. Ils sont convoqués pour un prélèvement ADN. Un certain François Vérov ne se présente pas à sa convocation. Il a été retrouvé mort mercredi et son ADN confondu hier avec celui du grêlé. Pour en parler ce soir, l'avocat des cold case et conseil de famille des familles de trois des victimes du tueur en série, maître Didier Seban, est ce soir notre invité. Bonsoir maître Didier Seban, bienvenue sur le plateau. C'est à vous, merci de votre présence ce soir. Vous êtes littéralement, je reprends vos termes, tombé de l'armoire en apprenant hier le dénouement de cette affaire vieille de 35 ans, c'est le mot. Vous êtes tombé de l'armoire. Oui, parce qu'on attendait depuis tellement longtemps et les recherches ont duré tellement de temps qu'on a longtemps pensé qu'on n'y arriverait pas. Tout le monde nous disait, il est mort, il n'a plus fait parler de lui, ça n'est pas la peine, vous faites de l'archéologie judiciaire. Et pourtant, les enquêteurs y ont cru. Et je dois dire que, pour être souvent critique de l'institution judiciaire ou policière, là, on a eu affaire à des policiers qui absolument voulaient savoir et n'ont jamais lâché. Ils n'ont jamais lâché l'affaire. Et ces derniers mois, il y a eu le travail remarquable d'une juge d'instruction en particulier, Nathalie Turquet, qui a relancé les investigations sur cette série de cold cases. Elle est très discrète, hein. Elle a repris le dossier, je crois, en 2014. Avec une rare perspicacité et l'appui constant de la brigade criminelle. Et son travail, d'ailleurs, a été salué ce matin par Jean-Michel Ayat, le premier président de la Cour d'appel de Paris. C'est assez rare pour qu'on le signale. Et il précisait que Mme Nathalie Turquet avait honoré l'institution judiciaire tout entière. Vous vous réjouissez qu'il y ait des juges d'instruction, des policiers qui pensent que toutes les affaires méritent d'être résolues. Oui, je dirais même que c'est inédit. J'ai souvent plus l'impression qu'un magistrat qui résout une affaire, un juge d'instruction, n'est pas félicité par sa hiérarchie. Mm-hmm. Quelquefois, on a l'impression qu'il trouble un peu l'eau qui dort. Donc on n'a pas dans la justice l'habitude de féliciter. Et je dirais que c'est exceptionnel. C'est un travail exceptionnel d'un juge d'instruction, d'une juge d'instruction, de policiers, d'enquêteurs qui, au fond, se disaient, étaient convaincus que c'était sûrement un policier ou un gendarme. On verra d'ailleurs que c'est à la fois un policier et un gendarme. Et donc se disaient, on ne peut pas laisser un de nos pères en liberté. Il faut absolument qu'on trouve. Ils étaient passés en mode rouleau compresseur ces derniers mois. C'est l'expression qui est utilisée par la brigade criminelle. Cette fameuse liste de 700 gendarmes a été établie. Mais comment la piste s'est-elle resserrée autour d'ex-policiers ou d'ex-gendarmes, ou les deux en l'occurrence ?
Écoutez, il y avait plusieurs pistes que nous poursuivions, enfin sur lesquelles la juge nous avait dit qu'elle travaillait. L'ADN en parentalité, qui aujourd'hui est une technique qui permet de rechercher sur le fichier des empreintes génétiques uniquement avec l'empreinte, la branche familiale maternelle ou la branche familiale paternelle. C'était une première hypothèse, puisque on se disait que peut-être quelqu'un de la famille du Grélet avait été arrêté et qu'on pourrait remonter comme ça. La deuxième hypothèse, c'est que comme on avait identifié, du fait qu'il présentait sa carte bleu-blanc-rouge, du fait d'un certain nombre d'éléments, que c'était un membre des forces de l'ordre, de rechercher sur celle qui était en service ou à Paris, ou près du lieu où avait été violée une des victimes, puisqu'il y avait un centre d'entraînement de la gendarmerie à ce moment-là. C'est ce qu'ont fait les gendarmes, et finalement, ils ont touché juste, puisque cet homme s'est suicidé parce qu'il savait que si on prélevait son ADN, il serait forcément confondu. Mais c'est le fait qu'il connaissait toutes les techniques policières qui a rendu finalement l'enquête si difficile ? Très certainement. Alors, vous savez, souvent, les tueurs en série, contrairement à l'image qu'on peut en avoir, mènent une vie assez normale, assez banale. C'est pour ça qu'on entend souvent les témoins, les voisins, les relations dire finalement c'était un brave type. C'était un homme très tranquille. D'ailleurs, c'est les témoignages là qu'on peut entendre aujourd'hui. C'était un homme très tranquille, mais c'est parce qu'ils ont cette intelligence-là, qu'ils ne se font pas attraper et qu'ils peuvent commettre leurs crimes. Donc, on a le visage d'un homme assez banal, l'histoire d'un homme assez banal, mais qui a pu avoir ce comportement. Ce que je crois moins, c'est qu'on puisse s'en tenir à une série de 6 crimes, puisque c'est ces 6 crimes qu'on lui impute, 3 meurtres et 5 viols, certains meurtres précédés de viols, et je crois qu'on est qu'au début de l'histoire, en fait. On est qu'au début de l'enquête. Oui, parce que la violence, l'intelligence, la froideur avec laquelle ces crimes ont été commis peuvent nous laisser penser qu'au moment où la technique de recherche de l'ADN a été établie, il a changé de mode d'action. Et donc, je ne crois pas du tout au fait d'une série particulière. Les psychiatres disent souvent qu'ils ont de tels flashs quand ils tuent ou quand ils violent, qu'ils ne s'arrêtent pas. Et donc, nous sommes absolument convaincus qu'il faut, malgré sa mort, poursuivre l'enquête pour voir en quoi il est impliqué. Est-ce que vous avez eu connaissance du contenu de la lettre laissée par François Vérove ? Non, beaucoup nous ont dit des parties de celle-ci. En tout cas, ce qui ressort tiré, c'est qu'il dirait qu'il s'est arrêté en 97. Or, le dernier meurtre, le dernier fait criminel établi où il a laissé son ADN date de 94, donc il y a sûrement quelque chose entre 94 et 97. Et puis, vraiment, je crois que la pratique, l'extrême violence et encore une fois, la manière dont ces crimes ont été réalisés nous disent qu'on a affaire à quelqu'un qui devrait intéresser la justice, et les familles attendent les réponses. Comme je dis souvent, vous savez, ce type de crime crée du malheur dans des générations, en fait. Pas seulement dans la génération des parents, mais les frères et sœurs, les enfants des frères et sœurs. Tout le monde se sent comptable de cette histoire tant que la vérité n'a pas été trouvée. Et puis, les victimes nous disent souvent, j'ai peur de croiser celui qui a causé mon malheur ou celui qui a causé le malheur de mon proche. Peut-être est-il dans la rue, dans le métro, près de moi, que je passerai à côté. Donc, résoudre ces affaires, c'est ramener aussi une forme de paix aux familles. Évidemment, on regrette qu'il ne puisse pas être jugé, puisque c'est malgré tout l'objectif. Oui, c'est à la fois une satisfaction et un déchirement. Voilà. Il ne rendra jamais compte de ses actes. Ses actes. Même s'il a éprouvé un grand remords dans le courrier laissé derrière lui. C'est ce qu'il dit, mais ce remords, il l'exprime au moment où il va être interpellé. Parmi ces affaires qu'on a rapprochées du Grélet, compte tenu du mode opératoire ou des lieux, il y a le meurtre de Karine Leroy en 1994. Ce 9 juin 1994, Karine Leroy disparaît dans son quartier. De gré ou de force, elle serait montée dans un véhicule avant d'être conduite dans ce bois. C'est là que son corps est retrouvé. La jeune femme a été étranglée, aucun témoin, aucun suspect. L'affaire est classée en 2007. Sauf que depuis, d'autres agressions survenues à Paris ont attiré l'attention d'Emmanuel Dupic, procureur adjoint du tribunal de Meaux. On a retrouvé des cordonnettes ou des liens pour des strangulations. Les différents cadavres. Donc c'est un élément important qui pouvait justifier, ne serait-ce que cet aspect-là, la réouverture s'agissant de Karine Leroy.
Voilà les fameux liens qu'on évoquait tout à l'heure. Vous allez demander à la justice de poursuivre l'enquête. Oui, nous sommes les avocats de la famille de Karine, qui, évidemment, sur lesquels n'a pas été retrouvé l'ADN du grêlé, mais le mode operandi, le fait qu'on sait maintenant que le grêlé a été affecté en Seine-et-Marne. Donc c'est là, il va falloir suivre son parcours de vie pour suivre éventuellement son parcours criminel. Le fait qu'une des affaires, qu'un des viols pour lequel son ADN a été retrouvé ait eu lieu en Seine-et-Marne nous amène à considérer que cette piste est absolument sérieuse. Elle avait d'ailleurs été investiguée par les policiers qui ont mis en rapprochement ces affaires. C'est aussi ce qui nous importe dans beaucoup de ces dossiers, de ces cold cases ou de ces dossiers non élucidés, c'est le rapprochement des affaires. Vous savez que la justice française fonctionne très en silo. Chaque juge est chargé d'une affaire. Les gendarmes ne parlent pas aux policiers. Donc au bout du compte, on se condamne souvent à l'échec. Là, ce qui réunissait ces affaires, c'était l'ADN d'un seul agresseur. C'est ce qui a permis d'avancer. Je ne voudrais pas qu'on abandonne cette piste parce qu'il faut donner des réponses à d'autres familles. On citait récemment le nombre de 300 cold cases d'affaires non résolues. Vous pensez que cette amélioration des techniques autour de l'ADN, en parentalité ou pas, et puis les croisements, même si c'est encore trop lent, les croisements des silos et des fichiers, vous pensez qu'on va en résoudre quelques-uns sur les 300 ? Moi, je dirais qu'il y en a même plusieurs milliers, parce qu'on a, si vous voulez, si on regarde sur 30 ans, on a 150-200 meurtres qu'on n'élucide pas chaque année. Donc, si vous multipliez par le nombre d'années, en se cantonnant à ces 30 ans, on a plutôt ça. L'Assemblée nationale, puis le Sénat, ont voté à l'initiative, nous avons beaucoup poussé cela, un amendement prévoyant la création d'un pôle chargé à la fois des tueurs en série et des cold cases, qui serait créé d'un pôle national. C'est la condition pour aboutir à ces recoupements et à ces avancées et donner ces réponses. Je crois qu'on peut aujourd'hui avoir l'espoir que toutes ces affaires où ces familles se battent sont dans l'attente, sont dans le silence de la justice. Là, c'est une affaire où ça a bien marché, mais beaucoup d'autres bien marché, si j'ose dire. Oui. Où en tout cas, l'enquête n'a jamais été abandonnée. Je crois que c'est là la condition pour avancer sur ces affaires. Vous voulez dire un mot, Denis Oliven ? D'abord, moi, ça me fascine. Tous mes dimanches ont été longuement occupés par le fait d'entrer l'accusé. Donc, ces quatre faits divers sont fascinants. Mais ma confiance dans le cerveau humain s'exprime là. Parce qu'il y a 20 ans, on n'avait pas ces techniques d'ADN. On n'avait pas les techniques de traitement algorithmique des données qui permettent de les reclasser. Et donc, on a fait en 10 ans, grâce à ces inventions, un progrès conséquent. Et ce qui est vrai là, est vrai dans tant d'autres domaines. Donc, je pense que c'est plutôt là qu'il faut qu'on investisse. C'est dans l'innovation, c'est dans l'invention, c'est dans la confiance qu'on a dans le génie humain qui, tous les jours, nous démontre ses facultés. Merci beaucoup, Maître Seban. Vous restez avec nous. Je rappelle juste ce livre indispensable écrit avec votre consoeur Corinne Hermann. Nous, avocats des oubliés sur la piste des crimes non résolus. C'était un ouvrage paru chez Lattès en 2020. Vous restez avec nous. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Bonsoir Mathieu, au sommaire ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Contre la cigarette, la politique du prix a-t-elle vécu ? Les experts s'interrogent et s'inquiètent de voir des fumeurs se tourner vers le tabac à rouler. Un faux train installé dans un EHPAD pour faire voyager des malades d'Alzheimer et pour raviver leur mémoire. Et puis, à la fin, je vais vous emmener manger chez le rappeur Eminem. Ah voilà. Des spaghettis sont au menu. Dans un sandwich. Entre autres. Comment faire reculer le tabagisme ? Un rapport parlementaire interroge la stratégie du prix. Entre 14 et 17% du tabac fumé consommé en France est acheté en dehors du réseau officiel. Les buralistes ont souvent pesté contre le marché noir, contre la concurrence des pays frontaliers. Est-ce que les fumeurs ont appris à ruser pour ne pas payer le paquet 10 euros ? Anaïs Recouli a rencontré Marion Catelin, c'est la directrice de l'Alliance contre le tabac. Et à ses yeux, le prix reste un levier efficace. Très concrètement, par exemple, depuis 2012, on a un prix du paquet de cigarettes qui a augmenté d'à peu près 4 euros pour être aujourd'hui à 10 euros. Et dans le même temps, on constate une baisse de la proportion de fumeurs quotidiens en France d'à peu près 15%. Donc oui, la fiscalité sur les produits du tabac, c'est extrêmement efficace et ça protège. Ça punit pas, ça protège, ça c'est quelque chose d'important aussi à dire pour nous. Là, aujourd'hui, on est à prix du paquet à 10 euros, mais pour nous, c'est juste une étape. Et il faut que cette augmentation se poursuive dans le temps, mais de manière progressive, pour que ça reste efficace.
Cela dit, autre enseignement cette semaine, le tabac à rouler serait plus toxique, du simple au triple. Pourtant, il est moins cher et Marion Cattelin y voit une forme d'hypocrisie. Est-ce que c'est pas contre-productif de mettre le tabac à rouler moins cher s'il est plus dangereux que les cigarettes classiques ? Si, c'est quelque chose d'absolument incompréhensible contre lequel nous on milite. Quand on a par exemple un prix du paquet de cigarettes qui est aujourd'hui à 10 euros et qu'à côté de ça on a accessible un prix de paquets de tabac à rouler en proportion moins chère, ça veut dire que notamment les jeunes et les populations les plus précaires qui sont aussi les plus susceptibles de fumer vont avoir tendance à se reporter sur ce type de tabac. Alors on est allé rencontrer des fumeurs pour leur demander, pour comprendre si oui ou non le prix est suffisamment dissuasif. Monsieur, est-ce que vous trouvez que le prix du tabac est dissuasif actuellement ? Dissuasif, non. Pas vraiment, enfin, puisque j'en achète toujours. Même si ça prend une partie de mon budget, je garde mes habitudes de fumeuse, mais ça devient très très cher, ouais. Oui, il est dissuasif, mais tant mieux, je vais arrêter de fumer. Ça ne dissuade pas d'arrêter totalement, mais effectivement, ça aide à réduire. Ce sera peut-être dissuasif pour les prochaines générations, mais pas pour la nôtre, quoi. Pendant le confinement, vous avez plus ou moins fumé ? Quel a été votre rapport à la cigarette ? Je fumais moins pendant le confinement, ouais. Moins de sorties, moins d'interactions, donc un petit peu une diminution, mais plus d'ennuis. Donc on fume par ennui et plus par plaisir. Moi j'ai commencé à beaucoup plus fumer et vers la fin du confinement je me suis calmé. J'ai continué à fumer comme d'habitude, ni plus ni moins. Parce que c'est l'autre enseignement de la semaine, si les Français ont plus fumé, moins fumé pendant les confinements, quoi qu'il en soit, ils ont eu moins accès aussi aux pays frontaliers. Résultat, 1 milliard 200 millions d'euros en plus dans les caisses de l'État par rapport à ce qui était prévu pour 2020. Du côté de l'Alliance contre le tabac, on tient à souligner, à rappeler toutefois qu'avec les soins de malades du cancer, le tabac coûte plus cher à l'État qu'il ne lui rapporte. On s'intéresse ce soir à la solitude de certains seniors. Plus de 500 000 d'entre eux, deux fois plus qu'il y a 4 ans, 500 000 de nos anciens en situation de mort sociale. C'est l'expression qu'emploie l'association Petits Frères des Pauvres qui a publié son baromètre annuel. La mort sociale, une expression dure qui signifie que ces seniors ne voient ni amis, ni famille, ni voisinage. Ils ne sont pas non plus membres ou au contact d'une association. Écoutez ce représentant des Petits Frères des Pauvres qui fait bien la différence entre isolement et solitude. La solitude, c'est un sentiment, c'est-à-dire c'est le fait de se sentir seul. Et l'isolement, ça c'est une donnée mesurable, c'est-à-dire on peut voir avec qui une personne, qu'elle soit âgée ou pas d'ailleurs, interagit au cours de sa journée. L'association précise aussi que les facteurs aggravants déclenchant parfois quand on est sans famille proche, on n'est évidemment pas aidé avec des revenus inférieurs à 1 000 euros ou quand on fait partie des 3 600 000 personnes âgées exclues du numérique. On parle toujours des seniors, mais avec une belle initiative en EHPAD. Oui. Les personnes que vous allez voir sont très âgées et atteintes de la maladie d'Alzheimer. Comment entretenir, raviver, stimuler la mémoire ? Comment apaiser les résidents aussi ? Ce sont les questions que se posent les soignants tous les jours. Et bien désormais, dans cet établissement près d'Amiens, la réponse prend une forme ludique avec ce wagon thérapeutique. On dirait un wagon, on y installe le résident et on projette des images de voyage sur un écran qui fait office de fenêtre. Éloignez-vous de la bordure du quai, on embarque avec Audrey Payas et Iban Raïs. Donc il y a même des billets en fait. On a des billets, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On ne paye rien. C'est intéressant. C'est agréable, c'est calme, on est détendu, voilà. Vous avez beaucoup voyagé dans votre vie ? Non, pas tellement. Moi, je n'aimais pas voyager. Alors on reste à la baraque. Est-ce que ça fait un peu sortir du quotidien ? Ah bah oui. Oui, toujours être enfermé, là on est détendu, bien. On admire la nature, tout en restant assis. On se laisse vivre. Bon, merci d'avoir fait ce beau voyage que je ne connaissais pas. J'ai 97 ans, j'ai jamais pensé que j'aurais vu à cet âge-là les montagnes. Mais bon. Alors attention, ça n'est pas que ludique, hein. Il ne s'agit pas seulement de se changer les idées, il y a aussi des vertus à ce dispositif. On a vraiment l'impression d'être en voyage, dans le train, avec les bruits qui sont associés. Et le fait de se poser dans un endroit calme, fermé, cosy, avec des couleurs qui sont aussi apaisantes, le résident se relaxe, se détend. Pour d'autres, le voyage va avoir un but plus thérapeutique, hein, pour les apaiser et de permettre justement d'éviter des prises médicamenteuses. Le wagon peut accueillir jusqu'à 3 passagers par voyage. Une trentaine de résidents sur 93 l'utilisent régulièrement. Ce wagon, ce train virtuel, a coûté 27 000 euros, financé par des dons et par du mécénat. Il va bien falloir aussi développer des services pour prendre en charge les seniors. Ça aussi, c'est une piste de développement, de création d'emplois et de
Et d'innovation. D'abord, je voudrais faire une remarque, c'est que quand je critique Greta Thunberg, il y a un point sur lequel je suis évidemment d'accord avec elle et tous ceux qui partagent son combat. Le progrès, ce n'est pas simplement la croissance. Le progrès, c'est une société plus humaine dans laquelle les relations entre les êtres humains prennent une autre tournure que la seule consommation. Donc je ne suis pas aveugle et obtus au point de me dire qu'il n'y a que le PIB. Je sais bien que ça ne se réduit pas à ça. En revanche, ce que je sais aussi, c'est que si on veut financer demain, on sait qu'on va avoir un énorme problème de financement du fait de l'allongement de la durée de vie, des soins médicaux, de la dépendance, et cette montagne est devant nous. Et donc, si on veut financer ça, on va encore augmenter les besoins de financement de la protection sociale. Et donc, il va bien falloir qu'on ait de l'activité qui génère des ressources. Vous voyez que c'est pour ça, d'ailleurs, comme je suis de gauche, je considère que la réduction des inégalités est le centre du sujet. Et là, par exemple, il va falloir qu'on aide ces personnes. Il va falloir des ressources. Donc, cette question-là est vitale. Le nouveau président de l'Équateur en guerre contre des prisonniers. Oui, au moins 118 morts dans des affrontements entre prisonniers et entre prisonniers et forces de l'ordre. Et c'est récurrent en Équateur, en prison, les chefs de gang organisent leur commerce et leurs différentes rivalités. Guillermo Lasso, le président en fonction depuis le mois de mai dernier, Guillermo Lasso a commencé son mandat en annonçant une guerre contre les mafias, les cartels. Cette semaine, la situation s'est donc tendue dans un établissement. Et clairement, vous allez le voir, les gangs font la loi à l'intérieur. 118 morts donc, des décapitations même. 86 blessés. Hier, le président s'est voulu rassurant. Pas de victimes parmi les forces de l'ordre ou les gardiens de prison. Sauf que, bien sûr, ça ne suffit pas à rassurer les familles de prisonniers, membres de gangs ou pas. D'ailleurs, les détenus sont eux-mêmes exposés à ces violences. Cette vidéo que vous allez voir à présent est impressionnante. On y voit un homme tenu en laisse par un autre prisonnier, tenu en laisse et tenu en joue, menacé. Devant l'établissement pénitentiaire en question, des manifestations de famille sont organisées. Muy triste porque tengo a mi hijo que está aquí preso, entonces ya con todas estas cosas que está pasando, es algo muy doloroso, hay muchos muertos, muchos heridos, no se sabe si mi hijo estará bien o estará mal. Imagínense, cuando nosotros vamos a la visita nos revisan todo, lo mínimo nos revisan, nos hacen hasta desnudar y no sé cómo entran todas las armas. Todos adentro están armados, todos. Se pide justicia, se pide todo porque no es primera vez lo que pasa. Un état d'exception a été décrété dans tous les établissements pénitentiaires du pays. Maître Seban. Oui, on voit bien que la prison peut être absolument destructrice et même aider à la construction d'une délinquance organisée. Je dirais qu'il faut revenir aussi aux fondamentaux de la prison. C'est d'abord un lieu où, certes, où l'on punit, mais où on doit donner de l'espoir, éduquer, reconstruire une humanité nouvelle. C'est malheureusement pas le cas. En France, on n'atteint pas ces proportions. Mais la prison, c'est aussi, pour une part en France, parce qu'on n'a pas su lui donner cette vision-là, une école du crime. Mathieu, il me semble que vous êtes un peu gonflé de vous servir du 5 sur 5 pour faire de l'autopromo. Ah oui, mais sans aucune gêne, Babette. Pardon, je vais profiter de cet espace pour vous raconter une nouveauté. Ça s'appelle Nous Président sur France 5. Ce sera tous les samedis désormais à 20h25 à partir de demain. Donc, pendant cette année électorale, pendant la campagne, on va suivre des Français, raconter leur quotidien, leurs aspirations, leurs espoirs aussi pour les comprendre. Il y a les résignés, les engagés, les observateurs. Tiens, je vous propose un tout petit extrait. Loumire, elle a 28 ans et elle vient d'annoncer à sa famille qu'elle se lance en politique aux prochaines législatives. Tu te rappelles quand je t'ai appelé la première fois pour te dire que j'y pensais? Tu te rappelles ce que tu m'as dit ou pas? Oh, c'est tous des renards. Attention, ils vont t'avoir. C'est-à-dire que, vous savez, en vieillissant, on apprend, comme on dit, on apprend la vie. Mais c'est pour ça que Non, mais quand tu vois comment ils se parlent, comment ils se mettent des coups de poignard dans le dos, enfin moi je me dis, ça me fait peur. Tu vois. C'est la vie, Loulou, c'est la vie. C'est la vie, mon petit. Merci. Après, dis-moi, je te regarde pas, je te dis non. Mais on est tous là, mais on est tous là, on est tous là, on est tous là, on est tous là.
J'ai l'honneur de raconter, hein, C'est Français, première demain, puis tous les samedis à 20h25 sur France 5, bien sûr, c'est juste après C'est l'Hebdo, ça s'appelle Nous Présidents. On en vient à ces fameuses pâtes, ces spaghettis, sandwich aux spaghettis. Quand vous commencez à avoir faim, Eminem, le rappeur Eminem qui diversifie ses activités, il vient d'ouvrir un restaurant de pâtes à Détroit, c'est sa ville d'origine, Mom's Spaghetti, les pâtes de maman. Get your sweaters ready, Detroit. Mom's Spaghetti is coming to 2131 Woodward Avenue. Want some road pasta after the game? Got that. Meatballs? You know we got that. What about the sketty sandwich? Mom's got that too. Get ready to get some Mom's Spaghetti, Detroit. Opening in the alley next to the Union Assembly this September. Mom's Spaghetti. It's all ready. 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 J'ai entendu, pardon Marion. Ça fleure bon l'Italie. Ça fleure bon l'Italie. Il s'implique, regardez, directement dans son projet, puisqu'on l'a vu lui-même servir des clients. Je ne suis pas sûr que ça dure, cela dit. Le restaurant, lui, sa présence. Eminem lui-même. Non, mais il ne faut pas qu'il renonce. Pas d'étrange renoncement. Ça prouve qu'il y a quand même des limites à la société de consommation. Exactement. Elle peut faire des choses horribles tout de même. Exactement, des sandwichs aux spaghettis. Musique, show business encore. Les Rolling Stones sont partis en tournée cette semaine. Avec tout le respect que j'ai pour ceux qu'on appelle les papis du rock, reprendre le rythme des tournées, ça demande un peu de préparation. Un peu de préparation physique, au moins, cela dit, pas de blague sur l'âge. Quand on voit la vidéo de Mick Jagger qui se prépare à cette tournée. Et alors, puisque je vous parlais des Rolling Stones, leur premier concert de cette tournée, c'était le week-end dernier. Premier concert des Stones sans Charlie Watts depuis 1963. C'était à Saint-Louis, regardez l'hommage. Batteur historique des Rolling Stones, décédé cet été, l'hommage à Saint-Louis, dans le Missouri. Charlie Watts, qui a forcément suscité un grand nombre de vocations, c'est peut-être même à lui qu'on doit cette séquence. Les enfants, 5 fruits et légumes par jour. Alors, on n'est pas des poireaux. C'est parti. Salut Bruno. Salut Bruno. Incroyable cette séquence. Oui, c'était pour le Téléthon il y a quelques années. Avec les Filth Monkeys, qui sont des deux artistes qui font un spectacle théâtral autour de la batterie, qui sont d'extraordinaires batteurs. Ils m'avaient gentiment invité à venir montrer mes petits talents de batterie. Ah si, moi j'ai découvert ces talents. C'est pas rien de jouer avec des poireaux. Des poireaux, c'est pas donné à tout le monde. Hein. On vient. Ah, on vous retrouve dans un instant, cher Bruno, parce qu'on va parler d'histoire, de votre passion depuis que vous aviez eu un excellent prof d'histoire géo. Merci Denis Oliven, merci Maître Didier Seban. Merci à vous. A tout de suite avec Bruno Solo, mais aussi les actualités de Bertrand, Le Vu, la story média de Mohamed et l'œil de Pierre. Bisous, à tout de suite.